Alors, nous sommes à la fin du pèlerinage. Je viens un peu recueillir ce que vous avez vécu pendant ces 5 jours. Donc, j'ai passé le micro à chacun pour qu'ils disent un peu un mot qui partage soit une joie ou soit un moment qu'il a apprécié. Alors, j'ai vraiment apprécié l'esprit de groupe parce que c'était vraiment sympa. On a partagé de très bons moments. On a dormi ensemble. On s'est aidés chacun les uns les autres. Et c'était vraiment super, un super esprit d'équipe. Si je devais résumer cette marche, ce serait des rencontres exceptionnelles et aussi des paysages extraordinaires dans la Haute-Vienne et la Creuse. Des rencontres entre tous les âges, toutes les générations, c'est enrichissant et les temps d'accueil et de prière dans les différentes églises et présentations, j'ai trouvé tout ça d'exceptionnel dans cette marche. Merci. Moi, je pense que le mot qui définit le mieux mon pèlerinage, c'est la surprise, parce que j'étais assez sceptique en y allant, parce que j'avais une image un peu erronée de ce que c'était qu'un pèlerinage. Et en fait, j'ai fait des super rencontres et j'ai pu parler à des gens et avoir des conversations très intéressantes, notamment avec Monseigneur Bozo ou Sœur Claire, qui nous ont accompagnés tout le long de la marche. Donc voilà, je suis agréablement surpris par cette marche. Merci. Moi, ce serait des découvertes, alors que ce soit sur le plan matériel, de très belles églises, à collégiales, etc. Mais aussi sur le plan humain, de très belles rencontres, de beaux dialogues avec Monseigneur Bozo, avec Sœur Claire, avec Christine, avec beaucoup de gens. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, à ceux qui ont permis ça. Et voilà, c'était un très bon pèlerinage. Merci. Moi, si je devrais résumer ce pèlerinage, je dirais plutôt le mot lien. Autant on a créé des liens entre toutes les personnes qui étaient ici, surtout notre groupe, et autant on a aussi réussi à créer et fortifier un lien avec Dieu, notamment au travers des prières et des messes qu'on a fait, ce qui a renforcé notre foi. Du coup, voilà, c'était très enrichissant, et encore merci à l'équipe qui a préparé ça pour nous. Merci. Alors moi, si c'est pour résumer le pèlerinage, c'est une chose unique, très joyeux, où on peut rencontrer, joyeux en même temps pour l'alliance avec le Seigneur et puis avec des amis qu'on ne connaissait pas. Et maintenant, ça va être dur, la séparation, mais on s'est gardé des contacts et on s'est dit qu'on recommencera la prochaine fois. Donc c'était vraiment super, génial et unique. Oui. C'est aussi dit que si une fois, vu qu'on ne vient pas tous du même endroit, que si une fois, vu qu'on a pris chacun les contacts des autres, on s'est dit que le premier qui aurait un pèlerinage à faire, il appellerait les autres pour qu'ils le rejoignent dans sa promenade.